Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Naruto Rise of a Ninja. Et c'est peut-être la dernière vidéo sur le jeu. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal avancé. Et on est à 76% de popularité. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de quêtes sociales, tu vois. Et en vérité, j'ai fait la plupart. Je peux pas faire la suite parce que je pense qu'il manque une mission ou un truc de l'histoire, tu vois. Mais en tout cas, j'ai essayé d'avancer au maximum afin d'augmenter notre barre, si tu vois ce que je veux dire. Et bref, on va retourner voir le frérot Jiraiya. Et souvenez-vous, on va se battre contre les méchants messieurs ou les méchants ninjas qui sont venus dans la ville, qui veulent nous affronter tout simplement dans le cadre du tournoi. Ah, il y a une mission. Ou bien apprendre une nouvelle technique. Les deux, frérot, je veux bien. Attends, fais voir ça. Ça suffira pour aujourd'hui. Quoi, déjà? Mais t'es un flemmard, frérot. Alors, obtenir une mission. Je n'ai aucune mission pour toi, Naruto. Bah non plus. Frérot, moi je pensais. Bah, en fait, je crois qu'on va aller voir le Mr. Hokage directement. Je n'ai pas de mission pour toi pour l'instant, Naruto. Quoi? Toi non plus? Tu as travaillé dur ces derniers temps. Si tu allais prendre un peu de repos près du lac. Le lac? Mais je ne veux pas de vacances! Je veux une mission! Bah oui, frérot. Naruto, il n'est de bon ninja que celui qui suit les ordres au lac. Bien, bien. Mais je trouverai une mission là-bas. Quelque chose de cool. Vous verrez. La dernière fois, les gens ils me disent « Eh frérot, t'es mon larbin, tu veux pas aller me chercher une plante qui est à l'autre bout de la map ?» Ouais frérot, vas-y, tu vas trouver plein de brigands sur la route aussi. Je te jure, le nombre de missions comme ça que je me suis tapé, c'est affreux, wesh. Ah, mon mari, il a perdu son sac à dos dans une jungle, oh là là. Ah, tout ça pour revenir à Jiraiya. Comment on se retrouve, frérot? Te voilà. Ah, t'as vu comme il est? J'ai du travail pour toi. Des bandits ont détroussé un fermier près des portes du village. Ok. J'aimerais que tu les retrouves, eux et leur butin. Avec plaisir. Le fermier devrait pouvoir te dire par où ils sont partis. Enfin, une mission digne de ce nom. Eh ben non, frérot, pas du tout. C'est vraiment une mission éclater sa grand-mère. Allez, ça se tente, mon ref, ça se tente. Bogus, ça fait plaisir. Non, mais vous savez, j'ai tellement développé mon skill depuis que vraiment, c'est incroyable. Voilà, non, pas du tout. Vraiment, attendez-vous à ce qu'il y ait de la rage aujourd'hui et que je rejette la faute sur le jeu. C'est fichu, bandit. Effectivement. J'ai pu les chasser, mais ils sont partis avec mon trésor. Ok, bon, écoute, on va pouvoir aller dans la forêt, pareil. Ok. Ça change d'habitude, frérot. Putain, c'est incroyable. Je me disais que ça finirait par tourner en rond. Ok, ça recommence avec ça. Aïe, aïe, aïe. Mais tu sais qu'en plus, je suis vraiment parti par là. Genre, j'ai vu des ninjas. Mec, des ninjas tellement forts. Ils me faisaient genre une feinte. J'étais mort. Une feinte. Why? Ok, ok. Il y aura combien de... Hé, le gosse! Dégage! Rendez son trésor au fermier! Allez! Et si tu venais le récupérer, minable? Ah bah super. Ah bah c'est ballot! C'est ballot tout ça! Bon bah on va pouvoir se réentraîner quoi, on va pouvoir réapprendre tout ça ma foi! Putain, j'ai deux shuriken ma foi, j'ai pas fait la recherche de shuriken, j'en ai un. Oh là là. Ah bah ça va, il est déjà mort. Le jeu me ménage, il est gentil, il est gentil. Combien d'autres salopios je vais trouver sur la route? Est-ce que je peux revenir juste deux secondes? On fait pause le jeu, frérot, je reviens en ville pour recharger. On va se vider de notre fric. On va plus rien avoir. T'as pas assez d'argent. Tu pourrais pas me faire un petit geste, frérot, le nombre de fois que je t'ai acheté des trucs? Oh là, les gens de ce village, c'est des crapules. Ils ne valent pas mieux que ces brigands-là qui veulent me fight à l'extérieur. Eh merde. Wesh ma gueule. Eh mais effectivement, il y a des gens qui m'ont dit, frérot, tu peux déraper? Bah effectivement, voilà, regarde. Je sais pas si je l'ai montré la dernière fois, mais en tout cas, je pense que je l'ai découvert entre-temps. Il y aura un mec ici, c'est obligé. Ou pas, en fait. Ah bah voilà. Ha! Et ouais mon gars, je suppose qu'il y aura un mec ici, tu vois. D'accord, je pense que c'est ça. Je pense que nous sommes sur la bonne route, voilà, effectivement. Maintenant c'est le chef. Pas plus loin. Le boss. Il a vraiment une tête de boss, hein. Une tête de... Enfin, une boss par terre, quoi. Ah mais par contre, tu ressens vraiment une giga différence avec les ninjas qui sont à l'extérieur de la ville. Je suis tombé sur un ninja élite, mon gars. Oh, il te pète la gueule, c'est abusé. Voilà, c'est un supplice. Par contre, là, j'ai absolument besoin de recharger, hein. C'est pas possible. Tu manges, mon ref. Voilà, un petit Uber Eats, comme ça, en pleine nature. Ce sont les meilleurs ramen du monde. Effectivement. Oh non, ça m'a pas manqué, ça, bordel. Oh, oh, oh. Va falloir partir encore dans les arbres ou je sais pas quoi. Ça fait plaisir. Enfin, il faut être agile dans ces trucs-là quand même. Hein. You need to... Non, non, non. Ah, marre. Voilà, c'est pas moi, je te jure. Moi, je lui ai dit de partir à gauche, il voulait pas. Voilà, super. Alors, qui est-ce que je vais croiser? Oh non, maintenant je me souviens. Je déteste cet endroit. Mais il est où notre objectif? C'est très mal indiqué. Moi, je sais pas où il faut partir maintenant à cause de vous, les reilles. Je sais pas, vous me lâchez en pleine nature. Vous me dites, bon bah, tu te débrouilles, mon ref. Là, je suis pas fou. C'est pour aller à Konoha. Nous, on s'en bat les steaks. Je suppose qu'il faut juste se balader quelque part comme ça. Jusqu'à ce que on va croiser un mec qui va nous dire, hé, frérot, tu sais quoi? Je suis là pour te péter la gueule. Après, on dit, ah ouais? Oh putain de merde, j'ai zappé, voilà, les pics comme ça, c'était... Oh non, mais je te déteste, c'est quoi ça?
Waouh! Oh, j'ai envie de le buter et de me buter, frérot. Oh, mais c'est horrible ces pics! Oh là, ils sont conçus par le chétan ou quoi? Voilà, normalement ici, il y a un mec. Voilà, je suis pas fou! Tu vas manger chaud! Tu vas manger chaud, ta mère! Je n'ai pas envie, je ne suis pas consentant, mon ref! Et à chaque fois, il recharge! Tiens, un truc explosif! Tiens, un truc. Il a bloqué le bâtard. Tac. Oh non. Oh, c'est bien, c'est bien. Je crois que c'est bien. C'est bien, ton mort, ma gueule. Voilà. Pas. Ok, donc là, il faut encore recharger. C'est abusé. Je n'ai jamais autant bouffé de ramen de ma vie. Là, c'est chaud. Pourquoi je suis monté ici? Ah, peut-être que de base, il y avait des pièces là. En fait, je me suis mislead. En vrai, on doit juste descendre ici, à mon avis. Et normalement c'est bon, tu vois la preuve que je suis déjà passé par ici. Je t'ai pas menti, frérot. J'ai déjà pété ces endroits, ouais je connais cette place comme ma poche. Par où est-ce que je passe là mon ref? Ça marche comme ça? Ah ouais, il saute loin en vrai hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, il y aura un monsieur là. Voilà, super. Ah c'est un médecin ou je sais pas quoi. Ninja médecin, bah super. Je suis déjà battu contre des quenets comme ça moi, je connais. Non. Oh non, il se régénère ou quoi? Eh bien je crois qu'il est invincible pendant cette période, il me semble hein. Voilà, 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 ça va être ça. De toute façon, t'es bientôt mort. Vas-y, régénère-toi maintenant ma gueule. Il est où le ref? Sinon moi je vais péter un câble hein. Dites-moi où est-ce qu'il est. Super. Oh, tu vas devoir m'affronter. C'est des malades fous furieux. Oh non, il a la rage. Oh putain. Ok, je sais comment y prendre. C'est pas vrai. Oh si, quand même, c'est pas mal. Hop là. Tu m'amuses, Roya. Je me paye ta tête. Aïe, 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 doucement, doucement. Oh merde, moi, bah écoute, moi aussi, j'ai comme ça deux vies. Hein. Tu vas goûter à ma rage, ma gueule. Eh, 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 c'est à mon tour, c'est à mon tour, frérot. Je la ferme, voilà. Oh mon dieu, bah on en aura bouffé des ramen pendant ce petit trajet. Tu vois, il y a un mec qui me parle ici, là. Et je te jure, depuis que je passe par là, j'entends un mec qui me parle ici, je sais pas où il est, sa mère, ça me rend fou. Il est caché dans les buissons. Bah je sais pas, je te vois pas frérot. Attends, attends, je rêve ou j'étais pas censé venir ici de base? Ça me dit, tu as récupéré une pelle volée, rapporte-la au fermier. Ça veut dire j'aurais pu continuer je ne sais où. J'ai déjà fait beaucoup de chemin pour rien en fait là. Ok, bah là je vais rentrer illico presto à la maison. Oh non. Où penses-tu aller comme ça? Bah je rentre au village mon gars. Mais je crois vraiment que depuis tout à l'heure ou quand j'étais venu recharger les kunai, en fait j'aurais pu lui rendre. Hey, plutôt pas mal. Ouais, je sais. J'étais pas sûr qu'un gamin puisse s'en occuper. J'ai envie de l'éclater. Un gamin? Je suis un ninja. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parle mieux. Tu fais bien d'avoir ramené ma pelle. Car aujourd'hui, tu travailles pour moi. Je travaille pour personne, frérot. Ferme-la. Il est fou, lui. Jiraiya m'a promis de m'envoyer un ninja pour rembourser sa dette. Oh non. Il ne m'a jamais remboursé ce saké. Et comme tu es là, tu le paieras pour lui. Mais c'est un ouf. Commence par aller récupérer le sac de pommes de terre que j'ai laissé en dehors du village ce matin. Il était bien trop lourd pour moi. Va le chercher, s'il te plaît. Oh mon dieu, faudra se mettre à genoux, mon ref, parce que le s'il te plaît, il suffira pas. Là, je vais vraiment devoir sortir du village, je crois, non? Ou bien c'est juste Al. Non, non, il va vraiment falloir sortir, je pense. Super! Bon bah, c'est reparti! Alors. Oh mon dieu. Me voilà! Vous êtes qui exactement? Mais tout à fait, c'est ça que je me demande à chaque fois. Dégage de là, gamin! On veut cette pelle et on va la récupérer, que tu le veuilles ou non! Y'a quoi dans cette pelle? Elle est faite de quoi? Elle a quoi cette pelle au juste? Mais de ouf, mon gars! Ah, comment il court? Oh, c'est ridicule, c'est d'un ridicule. Tu as empêché les brigands de voler la pelle, maintenant récupère les pommes de terre. Oh bah super! Et on doit aller jusque tout là-bas. Enfin, on doit faire le tour là, je crois. Exactement la route qu'on a faite tout à l'heure. T'es mal, comment il est assis lui? Voleur de patates! Toi-même, t'es une patate! Il a dit bien bonjour, mon pote! Alright, c'est bon, t'es mort! Ok, donc là on peut rentrer directement. Nice. Là, on est direct au village. Oh là là, ça fait plaisir qu'on n'a pas à se retaper les bites à les arbres et tout ça. Wow. Bon, tu mérites une explication après tout ce que tu as fait pour moi, petit. Bah ouais, avec ta pelle, je sais même pas ce que c'est. Cette pelle qu'il voulait possède un compartiment secret. Ok. Il y a quelque chose à l'intérieur de la pelle? Je pensais que tu étais un ninja. Les compartiments secrets font partie du métier, ne sois pas si surpris. Quoi? J'étais ninja avant d'être fermier. D'accord. L'intérieur du manche cache un précieux rouleau. Pour que le manche s'ouvre, il suffit d'actionner ce mécanisme secret. Plutôt simple, non? Prends ce rouleau et donne-le à Jiraiya. Maintenant que je sais de quoi tu es capable, je sais qu'il sera en sécurité. Alright. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, ok. Si c'est tout ça pour ça, ok. Wesh, le Heiyu Jiraiya, toujours en train de mater. Il dégoûte. Hé, l'ermite panette! Le fermier m'a dit de vous donner ça! L'ermite panette. Un rouleau. Fais voir ça. Il a dit qu'il était précieux.
Qu'est-ce que c'est? Ça, pour être précieux, il l'est. Il est même très précieux. Interesting, man. Sérieux? C'est quoi? Une nouvelle technique? Un plan détaillé des bains de femmes. Ouais, ça arrange mes petites affaires, tout ça. Oh non. Mes recherches. Non, j'aurais dû m'en douter. Bien, Naruto. Maintenant que j'ai ce rouleau, je vais pouvoir t'assigner une mission capitale. J'aimerais que tu récupères un rouleau auprès d'un de mes amis en visite au village. Ok. Il doit être près des quartiers du Hokage. Vas-y, moi. Je n'ai pas besoin de tes services pour l'instant, Naruto. Reviens plus tard. Quoi? Ah, bah je dois peut-être demander à des gens. J'ai besoin d'informations. Ok. Oui. Je sais quelque chose. D'accord, donc à mon avis, ça va être là. Ah, bah voilà le monsieur! Mais où est-ce que tu vas comme ça? Toi, où est-ce que tu vas? Tu viens pas d'ici, toi? L'ermite Panette m'envoie chercher je ne sais quel rouleau. Ah, tu me sembles bien jeune pour ce genre de travail. J'ai une idée. Faisons une course que je vois ce que tu vaux. Ok, je vois pas le rapport, mais si tu veux. Oh, papa! Qu'est-ce que c'est que cette satanée manie de défier tout le monde à la course? On est d'accord! Let's go! De toute façon, des courses, frérot, j'en ai bouffé, hein. Ça va pas m'effrayer, ma gueule! Ok, les choses se passent. Dérapage normal, ok. On est habitué, frérot. Nice, nice, nice. Les doigts dans le nez. Oui, 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 doucement, doucement. Moi, j'ai fait des courses qui se passent sur des toits, mon gars. Tu clair. Ouais, vraiment des trucs de ouf. Attends, on va passer là. Ok. T'inquiète, ça, je connais, Roya. Je connais ce genre de bail. On revient encore une fois. Nice, je pense que ça va être le dernier. Parmi les derniers. On est là. Ok. Ah, ah, le skill, le skill, le skill. J'adore, j'adore. Franchement, les sauts qu'on fait quand on saute... Enfin, quand on court, pardon, c'est vraiment magnifique. Parce que ça t'emmène des fois exactement dans des chemins, tu vois. Et je sais pas, c'est juste satisfaisant. Par contre, là, combien de fois je suis tombé au moment où je voulais prendre un câble. Et au final, bah, je pète un câble. Putain, c'est où le truc? Ah, c'est juste là. Voilà, tu vois, ça, par exemple, c'était pas prévu, je déteste. Tu veux aller quelque part et il t'emmène quelque part d'autre. C'est le jeu, il choisit, tu vois. Il choisit à ta place, ça rend ouf. Ok, j'espère pas qu'on va perdre avec une course aussi éclatée que ça, frérot. Sachant que j'ai vraiment fait beaucoup plus chaud que ça hors vidéo, tu vois. Ça, c'est le genre de bail qui me rend ouf. Attends, c'est où maintenant? Putain, regarde le truc où il est, là. Oh là là. Oh là là, salut meuf, j'ai pas le temps de te parler, désolé. Fais le bail. Oh putain, non, on va monter. Putain, je sens que c'est vraiment serré, là, en plus. C'est abusé. Tac, 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 tac. Mais c'est une giga course, en fait, ce truc, là. C'est pas un petit bail. Nom de Dieu. On part où, là? Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. It's easy. Ah, j'allais me prendre le câble. Nice. Je ne m'étais pas autant amusé depuis des lustres. À me voir galérer, ouais, je comprends. Excellente course, mon garçon. Bravo. Tu mets 5 étoiles, frérot. La course, Hubert, non? Voilà pour toi, le rouleau du vieux pervers. Le rouleau du vieux pervers. Salut, meuf, y'a quoi? Hey, toi. Oui, toi. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On va voir le seigneur Jiraya, n'est-ce pas? Ouais. Quel homme incroyable. Je suis sa plus grande fan. Tu pourrais lui donner cela pour moi? Quel genre de fan, frérot? L'ermite Panette? D'accord. Si ça vous rend service, je lui donnerai. Parce que lui, il est fan des femmes, mais toi, t'es fan de lui, quoi. Merci, jeune homme. Merci. Merci mille fois. Ça se trouve, c'est un nude. C'est pas possible, frérot. Aucune hachma. Devant son daron et passe un nude à un petit pour qu'il le passe. Un pervers. Bah, super! Hé, hey, l'ermite Panette! Votre ami, là! Il m'a laissé un rouleau ninja super important. Mmh. Oh, et puis une dame m'a donné ça pour vous. Elle disait être votre plus grande fan, ou je sais quoi. Vraiment? Bien joué, Naruto. Il ne te l'aurait jamais donné si tu ne t'en étais pas montré digne. Et oh, si c'est pas mignon. Une lettre d'amour, ah, une lettre d'amour. Femme. Elle est bien roulée. Oh, c'est un voilà. Et c'est reparti. Elle était canon. Bon, ce rouleau... Vous le prenez ou pas? Je me fiche de ce vieux rouleau décrépit. Une femme m'attend. Ah, il est dégoûté. Pitoyable. Peut-être que le Hokage saura quoi en faire. Eh bah oui, frérot. Non, mais lui, il laisse tomber. Bah, j'espère qu'elle sait pas de quoi il s'agit. Enfin, en vrai, j'espère qu'elle sait de quoi il s'agit. Parce que le frérot, bah voilà quoi. Le Jiraya est ravagé, ma gueule. Et hop là, dérapage, nice, on se croyait sur NFS. Qu'est-ce donc? Un vieux rouleau? Ouais, aussi vieux que toi. Exact. Je l'ai trouvé lors d'une livraison près du lac. Je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être. Très intéressant. Alors, je suis sûre que c'est important, hein. Dites, allez. Des années que ce rouleau avait disparu. Jamais je ne l'aurais pensé capable de le retrouver. Bah ouais, hein. Oh, surprenant. Il est en train de bander, là, le Hokage. T'es sûr on lui a pas donné la nude, là? Bien, je pense que tu mérites d'être récompensé, Naruto. Oh,
Génial! Il est bizarre, le Hokage, on dirait il était contraint, genre, bon bah, je crois qu'on va devoir te récompenser, ma gueule. Bien sûr, wesh! Bien, tu me sembles prêt, Naruto. Plus que jamais, frérot. Mais je dois te prévenir, Naruto. Je ne te ménagerai pas. Ok. Utilise la totalité de ton chakra bleu afin qu'il ne te reste plus que le rouge. Tu penses pouvoir le faire? Ouais! Bien sûr! Je vais utiliser mon multiclonage, puis je m'affronterai pour identifier mon meilleur moi! Et un multiclonage! Ok. Ok, pas ça. J'ai pas appuyé sur tout ça, moi. Mais je vais tout rater, moi! Je me rappelle même plus des trucs! Je vais tout rater, ma gueule, c'est pas possible. Oh mon dieu. Je pense que je suis même pas censé en fait toucher, je crois. Hein. Ah ok, je me rassure, ça va. Ah, pour une fois que j'ai réussi tous les QTE, c'est incroyable. Magnifique, je suis en train de m'exploser la gueule. Aïe, aïe, aïe. Si tu veux réussir cette invocation, Naruto, tu dois l'exécuter comme si ta vie en dépendait. Il faut que tu prennes des risques. Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Je risque toujours ma vie, je fais pas les choses à moitié. Je vois. Très bien, viens avec moi. On est déter, quoi, on est déter. Pour tromper la mort, il te faudra une quantité énorme de chakras. Si tu veux survivre, tu vas devoir progresser. Maintenant. Ouais, ce coup de pression, là. What? Ah oh ouais, le bâtard. Naruto, tu dois le voir. À présent, ton esprit réside dans le chakra de Kyuubi. Cette fois, c'est à toi de le déclencher. C'est quoi ce test, là? Cette sensation, c'est le chakra rouge! Ouvre la porte, Roya, ouvre la porte! Il fait peur, le ref. C'est quoi? Oh, c'est énorme! C'est un genou! Starfoul, là! Approche, petit homme! Oh, la taille de ses griffes. Le démon renard, mais oui! Le chakra rouge! C'est son chakra! Que me veux-tu? Écoute-moi bien, renard à neuf queues! T'habites mon corps, alors t'as intérêt à me payer en retour! Je veux ton chakra et je l'aurai! Du chantage, ma gueule. Je ne peux pas te tuer. Après tout, si tu meurs, je meurs également. Ton courage m'impressionne. Donne-moi la puissance, frère, la puissance. Soit. Je te prête mon chakra pour te récompenser d'être arrivé jusqu'ici. What? Il est en train de tomber à 1000 à l'heure là. Wesh, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Tac, tac, tac. Wesh, y'a combien de trucs à faire là? Ouais, oh non, attends. Désolé, oh non, je dois tout recommencer. Bah en même temps, frérot, ça va trop vite cette histoire là. Oh bah super, on est en train de faire tout le bail du parchemin, je suppose, hein, c'est ça? Ok, 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 je vais essayer de gérer ça, ma gueule. Ah bah voilà. Invocation. Bravo, petit. Ouais, le crapaud. Est-ce où diable suis-je tombé? Ouais. C'est pas sa gueule. C'est con, ça, ouais. Alors, Seigneur Crapaud, je suis toujours là, hein. C'est vraiment un gamin. Il est crevé. Plus d'énergie. Ah, dégueulasse, il m'a léché avec sa langue. Oh là là. Ah, c'est quoi? Et là, tu n'es Nouron Picham. Donc là, je viens de débloquer la suite des quêtes secondaires. Mais franchement, flemme de les faire maintenant. Flemme de les faire tout court, je vais pas te mentir. On va voir ce que le frérot a nous raconté. Alors. Ton entraînement touche à sa fin. Ah, déjà? Une fois prêt, rends-toi à l'arène pour la dernière étape de l'examen des Chunin. Donc là, en fait, il nous dit, oh, frérot, si t'as encore envie d'augmenter ta barre de vie, tu peux y aller. Sinon, si t'as la confiance, bah, tu y go tout de suite. Et c'est mort, j'y vais comme ça au culot. 866 de points de vie, normalement, ça devrait être assez. Hein. Il s'agit de ton examen final. Es-tu sûr de vouloir participer? Il s'agit là de tes derniers instants. On va voir comment ça se passe. Donc ça, c'est l'arène. Le public est chaud, c'est vraiment les finalistes. Concernant les règles de ce tournoi, il n'y en a aucune. Ah ouais. Les combats ne s'arrêteront qu'à la défaite avouée de l'un des deux candidats ou à sa mort. C'est hardcore quand même, c'est des enfants frère. Sachez que notre arbitre a néanmoins tout pouvoir pour arrêter un combat
Il estime être arrivé à son terme. Ouais, mais si l'arbitre, on lui a passé un petit pot de vin, mon ref, c'est le comment? Le tournoi commence. Je crois que les gens, ils veulent voir du sang. La stupide promesse ne vaut pas un clou. Tu ne pourras jamais me vaincre. Encore moins devenir Hokage. On ne choisit pas son destin. Bah si. Tu répètes ça à longueur de journée. Mais je vais te prouver le contraire. Quoi qu'il en soit, trêve de blabla. En garde. Que le premier combat commence. Nice, je suis chaud, même si je t'avoue j'ai un peu peur. Là c'est vraiment official. Qu'est-ce que t'en penses ma barre de vie mon Hei? Ah non. Oh putain ça commence. Les 64 points du athée. Mais c'est quoi ça? Oh non. Mais lâche-moi ma gueule. Oh non non non. Oups là je t'ai niqué. Il m'a niqué de ouf. Aïe 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 aïe. Il m'a touché les tétons. Il m'a touché les. Aïe 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 aïe. On est mort là? Non attends c'est pas. Oh, bah c'est tout comme hein. Là c'est, je t'avoue, nom de Dieu. En plus j'ai même pas rechargé les trucs. Les kunai, ah non mais vraiment. Ça c'est comme pour le bac, j'y suis parti au culot. J'ai même pas révisé de ouf, tu vois ce que je veux dire. Ils étaient pas aussi chauds les mecs à l'extérieur. Oh non, il a sa rage. Oh non, j'ai ma rage. Laisse-moi faire ma rage. Voilà, on va le buter. Vas-y ma gueule. C'est tout à fait possible. Ah mais il y aura un deuxième round, c'est sûr et certain frérot. Tu pensais pouvoir devenir Hokage? C'est absurde. Jamais. Les gens ont des limites définies, impossibles à changer. Tu ne peux pas devenir Hokage, malgré tous les efforts du monde. Tu ne peux pas changer la destinée. Il est relou, lui, wesh. C'est moche. La marque maudite? J'étais âgé de 4 ans, lorsque les leaders de mon clan m'ont ainsi marqué à l'aide d'une technique de maléfice. Écoute, Neji, comprends-tu bien ta destinée? Tu ne vis que pour protéger Hinata et préserver la puissance de la branche principale de notre clan. Je comprends très bien, père. Il avait une grosse tête. Cette marque est pour nous une épée de Damoclès. Ils peuvent s'en servir quand bon leur semble pour nous tuer. La peur, une peur de tous les instants. Seule la mort nous en libère. C'est ainsi que la puissance du Byakugan est contenue. Je baille, frérot, je baille. C'est pareil pour ce combat. Ton destin a été scellé au moment où j'ai été choisi pour t'affronter. Ah franchement, il est chiant, wesh. Parle trop, le gars. Je suis désolé. Mais tu mérites de mourir, parce que toi, il a fait tout le contraire que les gens qui te motivent. C'était un démotivateur. Des discours de démotivation, frérot. C'est pas juste de faire ça. Hop là, voilà. Mais il me vise trop bien, ce bâtard, c'est pas possible. It's time to éclate you, man. Tu fais vraiment trop le malin. Mais je crois qu'il faut que je commence à utiliser mes bails, hein. Ouais, aïe, aïe, frérot, non. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout, là. Ils ont augmenté sa difficulté de ouf. Genre, vraiment. D'un round à l'autre, on était en facile. Ils nous ont mis en difficile directement. C'est pas possible. Voilà. C'est bien. On continue sur cette lancée. Tes efforts sont futiles. Oh, non. Mais ta gueule, tes efforts sont futiles. Ok. Non. Voilà. Oh, non, il a de la rage. Putain, c'est pas vrai. Ne fais pas ton truc de rage, sinon il va me buter. Hein. S'il fait ça, il va me buter. Non. Il va me niquer. Ouh, fais ta rage. Il me reste rien comme vie. Lui aussi, il peut faire sa rage en plus, je crois. Ça l'empêche pas. Hein. Oh là. Ah non, il l'a plus. Oh mon Dieu, j'ai de la chance. Oh mon Dieu, regarde ce qu'il me reste comme vie. Je ne peux plus bouger. Alors les démotivational speakers là, hein. Ne viens pas me dire qu'on ne peut pas changer. Regarde Hinata, elle n'abandonne jamais. Qu'importe les défaites, elle essaiera toujours de devenir meilleure. Tout à fait, la meilleure version de soi-même, ma gueule. Et puis, si un vaurien comme moi peut changer, un génie comme toi le peut aussi. C'est pas un génie, c'est un con pour l'instant. Voilà, tu as battu Neji, frérot. On peut partir maintenant, c'est bon? Ah non, il reste Gaara. Le vainqueur est Naruto Uzumaki. Mais il est fort, frérot. Parle plus fort, dis Naruto Uzumaki, le champion de Hokage et du village des feuilles cachées ou de je sais pas quoi. Ah non, on va déchanter tout à l'heure. Hein. Sasuke. Ok, comment ça va se passer, man? Wesh.
J'allais dire des hologrammes sous forme de sable, mais non. L'abus. Par contre, pas mal la tenue, frérot. C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc devant mes yeux? Kakashi, est-ce que tu sens ça? Un sort de genjutsu. Rupture! Il a fait ça à tout le public. Mais what? C'est un guet-apens, le bail. Oh, oh Store. En même temps, t'as vu les gens que tu ramènes pour les combats? Ah oh, ouais, d'accord. Une invasion. Tous les mecs que j'éclatais dans les forêts, là, ils se sont vengés. Aïe, aïe, aïe. Gara! Qu'est-ce que vous faites là, tous les trois? Vous ne voyez pas que l'opération a commencé? Allez! Quelle est cette histoire? Allez! Eh, ça se barre en cacahuète, Sasuke, là. Tu as le niveau d'un Chunin. En tant que shinobi de Konoha, mets ton entraînement à profit. En d'autres termes, je suis censé arrêter Gara, c'est ça? Notre combat se poursuit. Je le sais, Sasuke, mais l'examen est terminé. C'est du sérieux maintenant. En tout cas pour moi, ça ne change rien. Pas si vite! Vas-y, mon ref! Le village du sable semble s'être allié à Orochimaru pour détruire Konoha. Poursuivez Gaara et assurez-vous qu'il n'est pas une menace. On fait un featuring, les bâtards. C'est la première mission de rang A depuis celle au pays des vagues. Ah bah c'est A++, mon gars, regarde! Tout le monde est mort, là, on dirait. Extra! Enfin, une vraie mission! Ok, man! Ah ouais, là, c'est des vrais bails, hein. Attendez vraiment pas à ça. Ah bah super, les arbres. Ça commence, en plus c'est chronométré, oh, je déteste ça. J'ai rien compris, les gens ils ont débarqué comme ça. Bon après c'est ça aussi une surprise. Mais ça c'est pas une bonne surprise. Il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Ça c'était plus que mauvais, frérot. Ok. Nice. Ah, donc là c'est pas du tout surveillé, c'est un combat. Ma foi, s'il veut me buter, il me bute. Mais je rêve ou c'est Sasuke derrière? On dirait Sasuke mais avec sa tenue d'avant. C'est un peu bizarre. Okay. File dans ta chambre, mais là frérot, il peut filer dans son bac à sable. T'as capté ou pas? Ah c'est pas mal. Ah ouais d'accord. Absolument pas sympa. Absolument pas sympa mon gars. Là t'es en train de faire une technique illégale ma gueule. Oh non 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 non. Oh, il est fort. En fait c'est son sable qui est fort. Tac. Trap. Qui? Je sais pas si on va y arriver sans mémo clip. Je pense que c'est absolument impossible. Moi je vous le dis, je n'y crois absolument pas. Waouh! On est en train de se. Aïe aïe aïe. On est en train de se relayer là ou pas? Mais lâche-moi mon gars! Ok, attends, attends, attends. Voilà! Je t'ai dépassé mon gars. Tu vas rien faire du tout. Tu vas rien. Oh non, lui aussi il a sa rage. Mec, s'il fait sa rage. Il était en train de s'énerver de ouf là. Non, non, Gara, tu n'as pas le droit. Seule une chose peut guérir un cœur blessé. Et c'est l'amour, Gara. Et un chemin. What? Il a brisé des os là. Très bien, Gara. C'est vraiment très bien. Oh, stop. Je repense à cette trauma, du coup, il va nous transformer en bouillie royale, en n'importe quoi. Mais regarde, Sakura aussi derrière. Ah bah super. Non mais là, c'est pas cool. Non mais c'est facile aussi, tu repenses à tes traumas, tu deviens complètement fou, après tu nous déglingues, c'est facile, hein. Starful, là. Aïe, 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 aïe. Ouais, il s'est passé quoi, là? Non, 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 non. Mais tu arrêtes. Il tient plus sur place, ce fou. Papi. Mais arrête tes conneries, ma gueule! Non, 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 non! Oh non! Ah bah super qu'il n'y soit pas arrivé! Attends, attends, attends! Mais tu veux pas me laisser? Ah mais lui en plus il balance des bails. Les kunai pour lui c'est des trucs en sable! Non, il faut que je l'éclate, c'est pas possible! Oh non, ça rage! Oh non! Pas de rage, pas de rage! Pas de rage aujourd'hui! Oh putain, c'est pas vrai! Ouais, 10 secondes, c'est pas mal ça! Hein. Neji? On peut dire qu'il me ressuscite comme par magie? Par Meji? Neji? Ok, man! Oh non, 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 il va faire son bail. C'est donc ça. Oh non, 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 non. Bah oui, apparemment. Hein. Bah j'aimerais ne pas être au courant. Aïe. Pardon, ma gueule.
Pardon, voilà, c'est par ici? C'est par là? Non! On fait comme les toreros! El torero! Wow! Mais lâche-moi, mon gars! Oh, putain, bon, bah, je vais m'énerver, frérot, je vais m'énerver, écoute! Mais c'est quelque chose! Oh, non, tu es encore en vie! Bah, ouais, mais j'essaye en fait, j'essaye de rester en vie, mais c'est pas. Oh, c'est bon? Et plus on le tape, plus il devient fou, quoi! Je n'ai pas d'amis, mais ce ne sont pas eux qui te rendent fort, c'est ta cause. En ce sens, nous sommes pareils. Tu es possédé. Mais ma cause est plus grande, car ce n'est qu'en te détruisant, toi et ce que tu représentes, que je peux prouver que j'existe. Ce fissure tel un Kinder Surprise, j'aime pas. Dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment t'es devenu géant comme ça? Alors c'est ça? C'est ça le monstre? Le monstre qui l'habite? Kiyomi, montre-toi ma gueule! Sakura! Tu dois sauver Sakura, même si c'est le dernier truc que tu fais. Tu dois sauver tout le village, frère. Je comprends. Il pense à Sakura, ce con, il est sérieux, là? Mais oui, lui et moi, en fait, on est pareil. Dégage de là, espèce de monstre! C'est un monstre! Ne le regardez pas! Tu te plantes au sujet de la force! Tu sais, si tu ne te bats que pour toi seul, tu ne deviendras jamais fort, quoi que tu fasses! Il libère une quantité astronomique de chakra. Comment fait-il? Son chakra est géant! Il est immense! Je vous protégerai, quoi qu'il arrive! Sauf Sasuke! Vas-y, dors! J'en fais le serment! Qu'est-ce que tu en sais? Je n'aurais jamais cru devoir m'énerver à poids! Ah bah super! Sakura! Hajel, on va s'énerver, mon gars. Essuie-moi tout ça, essuie-moi ton sang. Bon bah, c'est reparti, hein. On va devenir complètement taré. On va lui retourner sa mère. On va aller dans son village. On va enterrer ses ancêtres. On va les déterrer, les renterrer. Ouais. Hey, Seigneur Crapaud, tu vas devoir bien le tenir si tu veux que j'arrive à le toucher. Oh, regarde le mini crapaud. Naruto, utilise la métamorphose. Pense à quelque chose qui a des griffes et des crocs. C'est parti. Mon pote Kyuubi, frérot. Attends, avec des griffes et des crocs. Métamorphose. Magnifique. Ah ouais, il a du style, hein. Attends, quoi? Oh, ça déchire. Oh, je m'attendais pas à ça. Oh, aïe, merde. Il m'a fait mal, là. Wop. Allez, esquive ma gueule. Oh, c'est stylé, cette petite séquence. Encore une fois, je m'attendais vraiment pas à ça, mais je kiffe. Mais attends, mais par contre, comment il arrive à me toucher des fois, voilà? C'est pas si simple. Tout à droite, à gauche. Waouh. Ah ouais, non. Non, c'est pas simple. La vie d'homme, c'est pas simple, mais j'ai capté le vice dans les petits trous, les petits espaces. Ok, man, tu n'as plus de secret pour moi. Aïe, si, enfin presque. Oh, comment ça, il m'a éclaté deux fois de suite, là? Non. Allez, encore un coup et je meurs, là. C'est bon. Ah, j'adore. Allez, croque-lui les boules. Ok, c'est à ton tour. C'est parti. Oh bordel! Que va-t-il se passer? Ah non, c'est stylé, ok. Là, c'est des QTE. Normalement, ça devrait être très simple. Ok. C'est particulier comme séquence, hein. C'est semi-cinématique, semi-gameplay. En vrai, qu'on rate ou pas, ça devrait le faire, hein. Je crois. Alors, c'est comme ça qu'il devrait être les QTE, frérot, pas autrement. Nice! Ok. Ça, j'aime bien, man. Allez! Attends, j'ai perdu? Comment ça, j'ai perdu, frère? Tac, allez, okay, vas-y. Nice, tu te libères. Coup de tête, à la Zidane. Voilà. Ça, c'est du génie, les transitions en cinématique et cinématique slash gameplay. Enfin, parce que c'était pas vraiment du gameplay, ce qu'on a vu avant, là. Stylé. Et voilà, qui eut cru? C'était une série de QTE qui a sauvé le village, hein.
Magnifique. Naruto. Pourquoi fais-tu ça? Ça ne t'apporte rien. Parce qu'ils m'ont sauvé de moi-même, de ma solitude. Ils ont été les premiers à m'accepter tel que je suis. Ouais, c'est vrai, ouais. C'était les gars sûrs. L'amour, c'est ça qui le rend si puissant. Sakura est tirée d'affaire maintenant. Le sable s'est retiré. Elle est libre. Il a épuisé tout son chakra. Il est en paix, laisse-moi. Oh, tout va bien. Bande de méchants. Méchantes personnes. Qui sait, Naruto Uzumaki. Peut-être qu'un jour, je... Je te reverrai. Des maris. Kankuro. Désolé. Ok! C'est fini, on a fini! Ah, oh, quel plaisir! Oh mon dieu! Pourquoi ça finit sur une note genre dramatique? C'est censé être heureux, on a fini mon gars. Plus de QTE, plus de séquences dans les arbres, plus de mecs qui t'interrompent alors que tu vas juste faire des courses! Y'a un mec qui vient que tu vas où, frère? Quoi, c'est genre un teasing pour le prochain ou quoi là? Oh, la qualité, elle est éclatée, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est par rapport à la suite de l'histoire, l'autre jeu, je pense. Akatsuki? C'est ça ou pas? Comment ils s'appellent? Les méchants là, les méchants méchants. Parce qu'il y a les méchants classe 1, les méchants classe 2, et il y a les méchants méchants, tellement méchants, tu peux pas les définir vraiment. Je pense que c'est eux là. Ils ont les Sharingan. Ok, bah, je crois que c'était tout. 3 mois plus tard, c'est fini. Mise à l'heure de la mission, tu as battu Gaara et sauvé le village caché des feuilles. Bravo frérot. Maintenant tu peux rentrer chez Watt. Bon, puisque vous êtes encore là, voilà, j'avais envie de vous expliquer un petit truc par rapport à ce play. J'ai apprécié le faire, je peux pas vous mentir, même si j'ai pas mal râlé, je pense. Mais en même temps, c'est normal. Le jeu est assez répétitif, comme pas mal de jeux au final, tu vois. C'est pas un mauvais truc. Le truc, c'est que quand tu joues, puis tu fais quand même ton montage, tu vois, tu vas te retaper les mêmes séquences tout le temps, tu vois. Et en fait, c'est comme si, sur une courte période, généralement, je vis le jeu plusieurs fois en fait, tu vois. Donc ça devient très redondant rapidement pour moi, tu vois. Mais pour vous, je pense pas. Enfin, je l'espère en tout cas. C'était juste pour la petite parenthèse. Et en tout cas, si vous avez kiffé ce let's play, laissez un petit like, un petit commentaire. Prenez soin de vous, Gershino. Peace!